Terminé? Vous avez 10 minutes pour aller aux toilettes. Vous voyez souvent vos parents? Tous les 15 jours. C'était quand la dernière fois? Il y a une semaine. Et toi? Pareil, tous les 15 jours. Je suis venue à Deva parce qu'à Petrochani, le professeur ne faisait pas trop attention à moi. Je m'entraînais avec des filles plus âgées. Alors, elles ne s'occupaient pas beaucoup de moi. C'est papa qui a décidé qu'on irait à Deva. Ça m'a beaucoup plu, alors je suis restée. Pétic, tu retombes avec les hanches de travers, comme hier. Quand papa m'a annoncé qu'on partait à Deva, j'étais tellement contente. Chez moi, je faisais de la gymnastique rythmique. Mais je n'étais pas très bonne. Je ne suis pas assez souple. C'est pour ça qu'on m'a fait venir ici. Les filles viennent de toute la Roumanie, Petrochani, Iași, Constanța, Arad. Il y en a qui sont plus douées que d'autres. Alors quand elles arrivent, on fait une première sélection. La plupart sortent du jardin d'enfants. Au début, elles suivent toutes le même programme, puis peu à peu, leur chemin se sépare. Certaines n'y arrivent pas, d'autres tombent malades, ou alors ça ne leur plaît pas. En CE1, on décide de celles qui vont suivre un entraînement intensif. Les plus douées commencent par 2 séances par jour, les autres sont dirigées vers un autre sport, l'aérobic par exemple. Pourquoi tu l'attrapes du bout des doigts? Il faut prendre la barre à pleine main. Quand je ne serai plus là pour t'aider, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as compris? Sûr? Merci.
Comme ça. Encore. Les jambes bien tendues. Tu es censé en faire combien? Deux. Et tu en as fait? Un. Tu sais compter? Oui. Allez, vas-y. Plus fort. Un, deux. J'entends pas. Un, deux. Serre les fesses. Prends plus d'élan. Va faire une pause. Je trouve pas ça drôle. Remarque, il vaut peut-être mieux en rire. Va faire des pompes. Tends bien les genoux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'entends pas. Un équilibre et un 180 degrés. Deux si tu veux que je t'aide. Petit déjeuner à 7 heures. De 8 à 10 heures, entraînement. De 10 heures à... Tu es fatiguée, Pitik. À 1 heure, école. De 2 heures à 1 heure, on mange. De 2 heures à 4 heures, on s'entraîne. Et de 4 heures à 7 heures et demie, on fait nos devoirs. À 8 heures, 8 heures et demie, on éteint la lumière. Et quand est-ce que vous jouez? Le jeudi, le samedi et le dimanche. Pitik, et ta jambe? Regarde là. Tiens-toi une barre plus haut. Trois.
Elle n'arrive pas à cambrer plus. Vous savez, il n'existe aucun sport où l'on obtient de bonnes performances ou de l'or avec seulement des « allez, s'il te plaît ». Tenez, ma fille qui a 7 ans, quand je lui dis de venir à table et qu'elle est en train de regarder des dessins animés, elle ne m'obéit pas si je n'élève pas la voix. Il faut que je lui dise, viens à table immédiatement ou tu seras privé de repas. Et là, elle vient. Il ne faut pas généraliser, ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais les petites filles sont comme ça. La plupart des enfants ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils tâtonnent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est toujours long avant qu'ils se décident. Pitik, ça fait une demi-heure que tu es là-dessus à essayer de faire une malheureuse souplesse arrière. Elle fait semblant d'avoir oublié un enchaînement qu'on répète depuis des mois. Ta sortie. Prépare ta sortie. Combien de fois tu t'es entraînée à faire ta sortie? Tu veux vraiment réussir l'enchaînement? Oui. Sûre? Oui. Alors surtout arrête de t'exercer. Inutile de t'entraîner avant la compétition. Allez, bouge-toi. Regardez-moi ça, sur un seul pied. Termine le mouvement. Tu es complètement en âge. Tu as grossi? Pitik, tu as les hanches de travers. Le flic-flac, c'est bon, mais elle a du mal avec la souplesse arrière. Allez, Pitik. C'était mieux, ça. Travaille-le encore. Tu as besoin d'aide? Non. Regarde-moi. Tu es vexée? Non. Alors ne fais pas cette tête. Tu vois, c'était mieux. Ses hanches sont bien dans l'axe maintenant. C'est parce qu'elle est filmée. On se moque de toi, Pitik. Bravo. Viens que je te félicite. Viens, ma petite tordue. Bravo, mon petit boudin. Tu vois que ça marche. Oui. Je vous ai prouvé que j'étais sérieuse. Hein, Madame Dana? Tu as vraiment fait des progrès. Qu'est-ce que tu as, ma puce? Tu es inquiète? Pourquoi tu pleures? Parce que je suis toute tordue. Mais non, Pitik, c'est pas toi qui es tordue, c'est ta jambe. Après la souplesse arrière, ta jambe est de travers. Regarde-toi dans le miroir et fais une grimace. Fais une grimace, petit laidron. Allez, regarde-toi. Elle croit qu'elle est tordue. C'est fini? Tu me fais deux souplesses arrière? Oui. Promis? Oui. Deux? Oui. Montre-moi ça.
Tu es contente de rentrer chez toi? Oui. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Que ce soit une fille ou un garçon, ça ne change rien. Bien sûr que si. Mais non. Je t'assure. Et la voilà partie. Elle est comme un petit chien. Elle est jalouse des câlins qu'on fait aux autres. C'est normal, on ne la voit jamais. Elle n'est pas rentrée à la maison depuis janvier. Tu prends la gomme et tu effaces. Le rouge, tu le mets sur le bleu. Il faut appuyer là-dessus. C'était combien avant qu'elle ait une bourse? 1 million de lei. 1 million? Oui. On payait quand on pouvait. En principe, c'était tous les mois. Mais on n'y arrivait pas toujours. Et dans ces cas-là, on payait 2 mois d'un coup. Même comme ça, parfois, on ne s'en sortait pas. On devait vraiment se serrer la ceinture. On a connu des moments difficiles, c'est sûr. Mais pour notre fille, on est prêt à tout. Maman a dit l'une sur l'autre. Laquelle on met dessus? L'assiette à soupe. Qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? De la gymnastique. Quelles sont ses chances, d'après vous? Elle est ambitieuse. Elle peut y arriver. Il faut qu'elle ait la volonté. Et je crois qu'elle l'a. C'est très difficile de se prononcer, de se projeter dans l'avenir. Elle est trop petite. Il n'y a pas encore eu de compétition. Les filles de Deva n'ont pas eu l'occasion de se mesurer à celles de Timișoara ou de Bucarest. Il y a tellement d'écoles. Pour le moment, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Même si elle est douée, la chance ne sera peut-être pas au rendez-vous. Peut-être qu'ils ne prendront que 3 filles sur 5, alors qu'elles se valent toutes. Pourquoi tu pleures? Regarde, tu l'as fait pleurer. C'est pas moi, elle est trop sensible. C'est pas ma faute. Pourquoi tu pleures? C'est vrai ce que je dis. Si elle travaille dur et si en plus elle a de la chance, elle réussira. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on la pousse tout le temps. On lui répète sans arrêt que pour son premier championnat, papa sera là avec ses collègues. Ils m'ont tous promis qu'il viendra la voir et l'applaudir. Je ne plaisante pas.
Ils ont tous une voiture et des enfants du même âge. On sera tous là pour l'encourager. On n'arrête pas de lui répéter. On essaie tout le temps de lui remonter le moral. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle réussisse. Tu entends? Arrête de pleurer. T'en fais pas. Vous êtes amis depuis quand? Depuis le CE1. Oui. En CP, toutes les deux, on jouait à la maîtresse. Mais je ne parlais pas encore anglais. Et quand c'était Malina qui faisait la maîtresse, elle me grondait très fort. Elle déchirait mon cahier tellement elle était fâchée. Quand Raluca est arrivée dans notre école, on aurait dit qu'elle était encore au jardin d'enfants. On s'est toutes moquées d'elle. Elle était vraiment minuscule. Elle est entrée dans la classe et l'institutrice lui a demandé « Comment ça se fait que tu sois si petite ?»« Non, Malina, elle m'a demandé mon nom. » »« Oui, ton nom et ton âge. » Tu aimerais être dans l'équipe olympique? Comment on est sélectionné? Moi, je sais. Dis-moi. En travaillant. Et quoi d'autre? Quand on devient membre de l'équipe, on a le temps de jouer? Non. C'est ce que tu veux? Oui. Sûr? Oui. C'est encore allumé? C'est la salle olympique. Les gymnastes de Monsieur Bellou s'entraînent encore. J'ai entraîné des filles qui, à leur arrivée à Deva, étaient parfaitement inconnues. Par la suite, elles sont devenues des stars, des personnalités et des gymnastes célèbres. Leur réussite a dépassé toutes nos espérances. Je dirais que Deva est un lieu où on entraîne les filles
mais aussi un lieu où on leur donne une chance de réussir dans la vie, de grimper dans l'échelle sociale et d'acquérir une certaine sécurité matérielle. C'est extrêmement important pour leur avenir. Certaines de nos gymnastes sont devenues de véritables légendes dans le monde. Ekaterina Szabo, par exemple, Daniela Silivas, Aurelia Dobre, Lavinia Milosovici. S'il te plaît. Dis, c'est comme ça qu'on fait? Non, tes jambes doivent rester bien droites. Comme ça et en avant? Non, pas comme ça. Qu'est-ce que tu feras si tu n'es pas gymnaste? Moi? Rien. Ou peut-être... Bergère. Bergère? Ah bon? Oui. Tu n'aimes pas le métier de ton père? Mineur? Non. Et ta mère, elle fait quoi? Elle élève des enfants. Je ferai ni l'un ni l'autre. Je veux faire des films. Et qu'est-ce que tu filmeras? Tout le monde. Toi, par exemple. Tu veux devenir gymnaste? Oui, gymnaste et cinéaste. Je l'ai bien filmé, Malina. Vous filmez aussi? Prête? Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, madame. Prends tout ça. Quoi? Bonne nuit. Vous allez venir avec nous à Constanza pour le championnat. Avec moi, avec Monsieur Florine et Madame Florica. Sans Madame Dana et sans Monsieur Carpinichan. Donc à partir de maintenant, vous allez prêter attention à tout ce qu'on vous dit. Qu'on vous félicite ou qu'on vous critique, vous nous écouterez très attentivement. C'est bien compris? Cette compétition est la plus importante de Roumanie. C'est le championnat national pour cette classe d'âge, celle des gymnastes juniors, comme on les appelle.
C'est le premier niveau et aussi un tremplin pour les filles. C'est probablement la compétition la plus importante de leur vie. D'autres suivront, mais celle-ci, c'est la première. C'est une étape clé. Tu avais les genoux écartés. On a une compétition et tu as encore les genoux écartés. Le dos bien droit. Jambes tendues. Plus haut les sauts. Recommence. Recommence. Dis, tu m'écoutes? Alors fais ce que je te dis. La sortie, réception sur les deux pieds. C'était un peu mieux cette fois. Mais ta sortie n'était pas bonne. Tu n'as pas assez tendu les jambes. Et puis tu ne bloques pas assez la réception de tes sauts. Si tu n'es pas habitué à ma façon de faire, il faut le dire. Quand je te dis de recommencer, tu recommences. C'est bien compris? Si quelque chose te tracasse, c'est maintenant qu'il faut le dire. Maintenant. Ça t'embête que je te gronde? Non. Ça t'embête que je te corrige? Non. Non. Alors tu fais ce que je te dis. Sinon, je prends quelqu'un d'autre dans l'équipe. Compris? Il faut que les parents comprennent que quand on fait de la gymnastique de haut niveau, on ne peut pas se permettre de s'amuser. À partir du moment où on se lance dans la gymnastique de compétition, il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire. Quand on s'entraîne pour le championnat national, pour le championnat d'Europe, du monde et les Jeux olympiques, on n'a plus le droit de papillonner, de perdre son temps. Bien sûr, tout ça ne concerne que les filles qui ont choisi cette voie. On n'oblige personne. 90% des gens n'ont absolument aucune idée de ce que c'est la gymnastique. Tout ce qu'ils pensent, c'est « pauvre gosse ». Qu'est-ce qu'ils en savent? Si je ne m'étais pas entraînée, je n'en saurais rien non plus. Allez, bouge tes fesses, espèce de feignante. C'est mieux que ce matin, mais c'est encore beaucoup trop lent. Contracte les fesses. Bien en extension. Nul. C'est mieux. Pas de précipitation. Les pointes de pied bien tendues. Attention! Tu avais encore le nez au niveau de la barre. Extension au-dessus de la barre. J'y crois pas. C'est quoi ça? Tu trembles. Tu avais la tête ailleurs? Hein? C'est pour ça que tu t'es planté? Va mettre de la magnésie et recommence. On a été clair pourtant. Tu viens avec nous
Mais c'est pas pour ça que tu peux participer à la compétition. Tu te rappelles, Popa? Elle était avec nous à Focșani, mais elle n'a pas fait le championnat. Il se peut très bien que toi aussi, tu restes sur la touche. Tes parents ont déboursé 2 millions de lei pour que tu viennes avec nous, non? Alors réfléchis bien à ce que je te dis. À toi, Thomas. Il y en a une qui a réussi l'exercice? Pitic, si tu rates le prochain, tu recommences. Mais qu'est-ce que tu fiches? Oh, écoute, fais ce que tu veux, va. Pauvre idiote! À partir de maintenant, je me désintéresse complètement de toi. Fais-moi encore deux fois l'enchaînement, et après, va-t'en. J'en ai ras-le-bol. C'est tous les jours le même refrain. Thomas, travaille tes putains d'équilibre. Personne t'oblige à être là. T'es libre de faire ce que tu veux. Allez, fiche le camp d'ici, feignante. Non, mais regardez-la! Quitte cette salle immédiatement, ou je te prends et je te fracasse contre le mur. Tu sais quoi, Thomas? Tu vas prendre ce gros tapis et travailler tes équilibres. Tu vas m'en faire 100. Et tous les 10, tu fais une pause, ok? Et tu n'as pas intérêt à en rater un seul. Non, personne ne t'aide à transporter le matelas. Feignante. Et quand t'auras fini, tu reviens et tu me fais 4 fois l'enchaînement. Et s'il le faut, on restera ici tous les deux jusqu'à 8 heures du soir. Tu débranches ton cerveau quand t'es là-haut ou quoi? Allez, recommence depuis le début. T'es quand même capable de me faire un équilibre, non? Sinon, tu files rejoindre Thomas. L'une des deux ne pourra participer qu'au concours individuel. Elle ne fera pas le concours par équipe. Seulement le concours individuel par appareil. Je pense que ce sera Pitic. Malina, elle, sera dans l'équipe, de même que la petite qui a intégré l'école au niveau du CE2. En fait, il faut voir comment chacune évolue. Parfois, Pitic est meilleure que Malina. Mais ce matin, à l'entraînement, c'était Malina la meilleure. Au bout du compte, leur réussite va dépendre de leur niveau de concentration et du soutien moral qu'on leur apportera le moment venu. Pișcă? Nu am ținut de zi, Pitic. Génial, juste avant le championnat. Un pyjama. Fais attention à pas le salir. Tu veux ma bétadine? Oui. J'ai aussi besoin de pansements. Oui.
Vas-y doucement. T'as mal? Je veux pas. J'irai toute nue. Il est propre ce bas de jogging? Non. Celui-là aussi, il est taché. Mais j'ai un survêt pour le championnat. Pour le championnat? Oui. Et quoi d'autre? Ça. Arrête, Raluca. On te prête un truc? Non. Je le mets dans le pantalon et ça ira très bien. Il n'est pas trop grand. Et le papier toilette? Dis, tu me le prêtes? Allez, sois chic. Oui, vas-y. T'as mis une grande serviette? Et une petite. D'où tu la sors? Elle n'est pas à moi. Tu partages ton casier avec qui? Stixi. Elles sont pas à moi, ces culottes. Ça va pas du tout. Il y a des fourmis plein mon placard. Vous êtes bien installé? Lavez-vous les mains et venez manger. Vous pensez que ces filles sont heureuses de faire de la gymnastique? Absolument. Elles sont allées partout ces trois dernières années. Je ne crois pas que beaucoup de petits Roumains aient eu cette chance. Elles s'entraînent au bord de la mer, à la montagne. C'est fantastique. On leur pose nous-mêmes souvent la question. Parce que c'est très important qu'elles aient envie de continuer. Dès lors que ça ne leur plaît plus, elles se concentrent moins et elles risquent de se blesser. L'envie de continuer est vraiment une condition essentielle. On estime qu'elles sont suffisamment mûres pour savoir ce qu'elles veulent. On s'adresse à elles comme on s'adresserait à des adolescentes de 16 ans. Avant, on avait affaire à leurs parents. On ne sait rien quand on a 7 ans. Mais maintenant qu'elles en ont 10, on considère qu'elles sont aussi mûres que des adultes. On respecte les entraîneurs. On ne les connaît pas. On ne peut pas se faire une opinion. Ce que je veux dire, c'est que c'est leur métier et qu'ils font leur boulot. Pour nous, seuls comptent les résultats. On se fera une opinion à ce moment-là. Jusque-là, on ne peut pas se prononcer. Madame Dana ne crie pas trop et elle ne nous frappe pas. Les deux autres sont un peu plus sévères. On t'a déjà frappé? Non.
9h35. Ouverture de la compétition. Merci de vous présenter devant les juges. Asymétrique, concours individuel. Fixe. 3 minutes d'échauffement.
Thank you.
Dans un instant, toute l'actualité avec Arte Journal. Puis, à 19h50, nous nous rendrons au Yémen, pays de désert et de montagnes. Nous y rencontrerons des montagnards fiers et des villages qui ont traversé les siècles.